Monsieur Zeno ! Bien le bonjour, Pépé. Zeno ? Je ne l'ai pas vu, non ? Zeno ! Mais où es-tu ? Bonjour, Bartolito ! Est-ce que tu as vu Zeno ? Zeno ? Zeno, non, mais j'ai vu Bataraza, j'ai vu le poussin, j'ai vu Lola la vache... D'accord, Bartolito ! Je voulais juste savoir si tu avais vu Zeno ! Non, mais j'ai aussi vu Pico le pivert, Pinto et puis aussi... Oui, d'accord, Bartolito ! Merci beaucoup ! Zeno est allé en ville sans moi ! Bonjour, Pépé ! Bonjour, Pépé ! Comment ça va ? Bonjour, Zeno ! Tu osais aller en ville sans moi ? Salut, Pépé ! Ne t'énerve pas, voyons ! J'ai quelque chose de très important pour toi ! Quelque chose d'important pour moi ? Percheron, Bartolito, Bataraza, venez là ! Mes chers Zeno, je ne sais pas si vous le savez, mais je n'aime pas beaucoup les surprises ! Surprise, Pépé ! Eh ben dis donc, tu es resté figé par l'émotion, Pépé. Tout va bien. J'espère que tu aimeras. Wow. Qu'est-ce que c'est? Voyons voir, ça a l'air joli. Oh, ça, c'est une sacrée surprise. C'est quoi? Mais vous êtes fous ou quoi? Bas les pattes, donnez-lui l'air. Ce n'est pas un cadeau pour vous. Zenon dit que Pépé est extrêmement sensible et qu'il faut lui faire de l'air. Hé, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous allez casser son cadeau. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez bien entendu, il faut casser son cadeau. Fais pas toute une histoire, Pépé. C'est juste un cadeau pour l'amitié que tu me portes. Lève-toi maintenant, je t'en prie. Oh, j'entends une horde qui arrive au galop. Partons d'ici, Pépé. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Nous voulons aider Pépé qui est devenu sensible et s'est évanoui. Parce que Zenon lui a apporté une surprise. Ah oui, je comprends. En réalité, les perroquets souffrent de néophobie. Néo quoi? De néophobie. Ah, et c'est quoi ça? Ils ont une peur terrible de tout ce qui est nouveau. C'est pour ça que Pépé a eu un peu peur, ça ne m'étonne pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? J'ai une bonne idée. Qu'est-ce qui m'est arrivé, Zenon? Je suis désolé de t'avoir fait si peur, Pépé. Je voulais juste te faire un joli cadeau, mon ami. Non, pas encore, non. J'ai toujours su que c'était un cadeau pour moi, Zenon. Je me suis juste étouffé avec quelques grammes. C'était l'émotion. Et comme tu as beaucoup aimé ce premier cadeau, je t'en ai apporté un autre. Oui, merci. C'était pas la peine, les amis. Surprise.